Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. J'ai la même dégaine qu'hier. Sauf que j'ai les cheveux en l'air. Pourquoi? Parce qu'on est le lendemain matin et que je prends mon petit déjeuner au lit. Alors, on est lundi. Il est 8h40. Je me suis levée il y a 20 minutes pile poil. En 20 minutes, je me suis lavé le visage, je suis partie en courant, j'ai déposé la machine du sommeil et je suis allée me prendre mon petit déjeuner à emporter. Voilà. Ça fait du bien, je vais pouvoir prendre mon temps pour manger. Franchement, ça me manque de devoir manger vite, sachant que je prends du temps pour manger, c'est embêtant. Donc, ça c'est mon café de chez moi avec ma bouilloire. Avec... mes deux morceaux de pain, mes deux morceaux de beurre, mais je mange pas les deux parce que c'est trop. J'en laisse un pour midi pour le mettre dans mon pain au fromage. J'ai le droit à deux candérelles et un fromage blanc. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, donc voilà. Je me suis réveillée en retard. En temps normal, à cette heure-ci, on a fini de déjeuner, etc. Donc, en fait, je suis descendue en courant pour déposer la machine. Et puis j'ai pris bien sûr pas le café au lait, parce que d'habitude je prends du café et je mets une noisette de lait. Comme je savais que j'avais un café, j'ai pris tout ce que je pouvais emporter. C'était ça où... En fait, je pense que j'aurais pu tenir, mais c'est pour éviter de craquer, d'avoir des envies et d'aller à la boulangerie. Voilà, commence la matinée. Bon, il fait beau. Je vais prendre mon petit déjeuner tranquille et après je pense que je vais regarder s'il y a une activité à la salle pour faire une demi-heure d'activité en salle et je verrai pour faire de l'activité en extérieur. Voilà, commence ma matinée. Allez, je vous dis à plus tard. Ça aura vraiment été une journée linge. J'ai l'impression d'avoir toute ma maison avec moi pour pas changer. Donc maintenant, il va falloir plier tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est rien. Ça, c'est le plus. Et tout sort du sèche-linge, donc pour plier. Et j'ai deux gros sacs, franchement. Alors, sans compter que j'ai lavé mes sous-vêtements à la main, quoi. Allez, on va tout de suite. On va plier tout ça. Je sais pourquoi c'est froissé. La dernière fois, c'était pas froissé, quoi, c'était moins froissé. Parce qu'il restait une minute. Et je crois que c'était la minute défroissage. Je suis dégoûtée. J'ai voulu faire vite parce qu'il y avait une personne qui attendait le sèche-linge. Sachant que je déteste être froissée. Je déteste repasser. Mais je fais toujours tout pour pas être froissée. Dégoûtée. Il y a un fer à repasser en bas, mais il me dégoûte. La table et le fer me dégoûtent. J'ai déjà acheté plein de trucs. Je vais pas acheter un fer à repasser quand même. J'ai une bouilloire. J'ai des cintres, des pinces à linge, d'une bassine. Il manquerait plus que j'achète un fer à repasser. Non, ça va pas. Je serais capable. Si je trouvais un fer à repasser de voyage. Non, vas-y, je repasse même pas chez moi. Vraiment, je suis dégoûtée, j'insiste, mais je suis dégoûtée parce que je me dis, j'étais pas une minute près. Tout ça parce que je me dis toujours, ça se fait pas, il y a quelqu'un qui attend. Mais vas-y, pour une minute, franchement, la minute elle était longue, mais quand bien même j'aurais dû attendre que ça se termine. Vous voyez mon dégoût ou pas? Je suis grave dégoûtée. En plus, le gilet, il est encore mouillé. We'll be right back.
le rangement pour valise. En fait, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'étant donné que j'ai pas de placard spécifique de rangement, eh ben, ça a pu rester dans sa sacoche posée. Et en plus, ça évite d'une possibilité d'intrusion d'insectes. Donc, c'est-à-dire que si, éventuellement, s'il devait y avoir des insectes, moustiques, autres, on connaît tout ce qu'il peut y avoir dans un hôpital, s'il devait y en avoir, comme je le ferme tout le temps, je range mes vêtements dedans et je ferme, j'ai peu de risques. Je dis pas que j'ai pas de risques, mais j'ai peu de risques, puisque là, c'est fermé normalement. Donc voilà, donc c'est hyper utile, vraiment, je suis ravie de cet achat. Je dirais pas cet investissement, parce que je l'ai pas acheté très cher, je l'ai acheté chez AliExpress. Et ils en vendent sur Amazon un peu plus cher, mais franchement, ça vaut grave le coup. Voilà, ça c'est un rangement. Et voilà, tout est rangé. Comme d'hab, hein, les pantalons, les sous-vêtements, c'est des extras, les t-shirts et des débardeurs. Donc voilà, j'ai pas de vrai placard de rangement à part une penderie là. Bah finalement, ça me permet d'être comme des compartiments de rangement et d'être protégé par tout individu volant ou rampant. Donc voilà, et ça c'est mes serviettes que j'ai posées sur ça. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, tout est froissé. Tout est froissé. Je vais ressembler à rien, vraiment. Je suis dégoûtée. Vraiment, tout est froissé. Même les pyjamas. Bon, tout est froissé, mais propre. C'est déjà ça. Allez, je vous dis à plus tard. Bonsoir. Je vous prends assez rapidement pour vous faire le résumé. J'espère que vous m'entendez bien. Donc ce matin, je me suis réveillée hyper en retard. J'ai dû vous montrer. Je me suis réveillée à 8h20. Or, le petit déjeuner, il est de 8h à 8h30. Le temps que je descende pour restituer tout le schmilblick que j'avais pour le polysomnographe, le truc du sommeil, pour vérifier si j'avais l'apnée du sommeil ou pas. Je me suis réveillée, j'ai couru, j'ai rendu tout le circuit, là, le machin chouette. Et je suis allée récupérer une partie de mon petit déjeuner, c'est-à-dire le pain, le beurre et le fromage blanc. Et je suis allée dans ma chambre et je me suis fait un petit café en accompagnement et ça m'a fait du bien. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que ça me manquait de pouvoir prendre mon temps pour manger. Puisque bah, on est limité en temps, il faut qu'on libère la salle à manger, en tout cas le self. Et je me retrouve assez souvent à finir mon assiette très rapidement et digestion pas très facile, quoi. Moi qui mange très lentement et qui prends mon temps, etc. Donc petit déjeuner sympa, mais ça m'a mis dans un mood de j'ai pas envie de faire grand chose au niveau activité physique, je dis bien. J'ai eu les résultats sur l'apnée du sommeil, tout va bien, donc c'est nickel. Et finalement, je me suis occupée toute la journée de mon linge. C'est la folie, j'avais deux machines à faire tourner, le sèche-linge plié, rangé. Entre le réveil, ce que j'avais à faire, le petit déjeuner, le déjeuner, etc. Bah, j'ai fait par période, en attendant que la machine termine et tout. Mais j'ai fait ça jusqu'à 16h pratiquement. J'avais mis la première machine, je crois qu'il devait être 10h30, 11h. Le temps de mettre deux machines, un sèche-linge, récupérer, plier. Franchement, 16h, j'ai terminé. Plier, ranger. Et ensuite, 16h, franchement, je pensais faire une sieste. Ça n'a pas été le cas. Finalement, je n'ai pas fait de sieste de la journée. Et je ne sais pas, en fait, j'étais en train de regarder mon programme. Il y a plein de trucs dans ma tête. Dans ma tête, c'est pas organisé, en fait. Entre l'envie de programmer les deux dernières semaines
de quelle activité je vais faire, parce qu'en fait, réellement, je me tourne comme ça parce qu'en fait, il y a la lumière et je vais avoir une crampe. Réellement, j'ai plus envie d'aller à la piscine. Pourtant, j'aime vraiment, hein, mais ça me dégoûte. Et en salle, les activités, c'est par tranche d'une demi-heure. Je trouve ça un peu court et ça donne pas envie. Donc j'ai envie en fait de m'organiser des après-midi, randonnée, marche, mon activité en plein air en fait. Ensuite, après c'était le dîner et on a joué au Uno avec les filles. À savoir que j'ai encore les suites des aventures de Marie-Thérèse. Alors si vous avez suivi, entre le problème du lavage de main, la piscine, et encore je vous ai pas tout dit, hein, parce que les lâchages de caisses à tout va, que ce soit dans le self, dans le couloir, etc. Ça je crois que je vous l'ai pas dit. Hein. Ouais, elle lâche des caisses bien ouvertes, sans s'excuser, comme si c'était normal, à n'importe quel moment de la journée. Bon, en plein self aussi, hein. Je crois que je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais ce que je vous avais pas dit, donc le coup de la piscine m'avait dégoûté, mais étant donné que le jour où je me, entre guillemets, suis rembrouillée avec elle pour les mains, le diète avait dit qu'il fallait, bon, qu'il espérait que ça irait mieux et qu'il fallait calmer les choses. Étant donné que je me suis embrouillée une fois avec elle, je me suis dit, si je m'embrouille une deuxième fois avec elle, on va dire que c'est moi le problème. Sauf que non, question hygiène, c'est elle le problème. Et je suis ravie, mais ravie, de savoir qu'aujourd'hui, moi je suis pas allée à la piscine. Aujourd'hui, à la piscine, il y a une des nanas qui s'est embrouillée avec elle parce qu'elle ne s'est pas lavée avant de rentrer dans la piscine. Elle n'est pas passée à la douche. Et une des nanas s'est embrouillée avec elle. Elle a, d'après ce que j'ai compris, gavé tout le monde parce qu'elle monopolise la coach. En tout cas, je suis ravie de savoir qu'on lui a pris la tête pour ça et que c'est pas moi qui l'ai fait, parce que malheureusement, quand bien même je ne pense pas être le problème, c'est moi qui risque d'être visée à m'embrouiller tout le temps et j'ai pas envie, donc j'ai laissé tomber. Donc voilà la journée aujourd'hui. Donc je suis claquée, je vais vous laisser. Demain la pesée des 2 semaines. Je vous tiens au courant. Je vous dis à demain. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh. Lucky, lucky, lucky me.